Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Nous sommes présentement au People Choice Awards, le gala où le public américain choisit ses vedettes préférées et où Céline Dion est en nomination pour la chanteuse la plus populaire de l'année. Ce soir, vous allez vivre les meilleurs moments de l'année que nous avons passé aux côtés de Céline. Un an avec Céline dans les plus grands stades d'Europe, dans les coulisses et les secrets de la tournée mondiale Let's Talk About Love et des rencontres avec ses collaborateurs Bryan Adams et Jean-Jacques Goldman. Nous la suivrons dans les galas, comme ici au American Music Award à Hollywood. Nous assisterons à sa rencontre surprise avec papa et maman pour finalement la retrouver aux Grammys. Bref, on ne l'a pas lâchée d'une semelle. Élue femme de l'année en France, l'année Céline Dion fut aussi celle de ses 30 ans. Voici donc, pour commencer, des images exclusives, croquées sur le vif par sa famille et ses amis, ainsi que la surprise que nous lui avions réservée pour son 30e anniversaire.
J'ai été vraiment surprise. C'est sûr que je m'attendais à quelque chose. T'sais, je me disais, 30 ans, je suis sûre que René ne va pas laisser passer ça. Il veut... C'est sûr qu'il va organiser quelque chose, un surprise party à quelque part. Ils m'ont amené, ils m'ont changé, ils m'ont maquillé, ils m'ont déguisé. Ça a été tellement un party puis une soirée formidable. Parce que moi, me déguiser, j'adore ça. Tu sais, quand on est dans le show business, quand on est un performer, on aime ça. Peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe ce qu'on fait, nous autres, dans notre carrière puis dans le cheminement qu'on fait, je réalise à quel point que tout ce qu'on a finalement, c'est notre famille puis nos amis proches. J'ai compris tous tes mots depuis ton premier cri. Déjà dans ton berceau, tu chantais bien merci. Les couches en a changé, tes fesses en a poudré. Pour mes premiers pas, on t'a rendu les bras. On est tous là ce soir pour te dire qu'on t'aime fort. Il faut que tu saches, on y met toute notre sueur pour te faire voyager ailleurs. Si tu donnes trop ta voix là-bas aux USA, je te montrerai le bon sens, tu reviendras en France. Je m'occupe de tes billes, c'est pas très difficile. Quand on fait les boutiques, c'est là que ça se complique. Tout évite les ennuis, les contrats c'est mon fort. Moi je fais les spaghettis pour Céline qui mange tard. Fallait pas commencer m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner en amour. Je sais pas jouer. On se dit qu'à 30 ans, faudrait prendre le temps, profiter de la vie qui nous a réunis. Et je vais dire comme mon frère, on a toute une belle mère. Il faut que tu saches. Écoute ton filet, et la salle est en swing. Ce soir c'est ton birdie, et j'espère qu'il est happy. Tu m'as ouvert ton âme, pour que ma plume s'enflamme. Pour la suite de l'histoire, nous serons là encore. Je changerai de langage pour chanter tes louanges. Fibrose qui se tient, pour carrer notre trésor, on se battra encore. À chaque disque que tu sors, tu bats tous les records. Comme on dit au hockey, t'arrêtes pas de scorer. En question de t'échanger, je te donne une coupe Stanley. Chez Nichols, c'est bien mieux, pour 5 cents, t'en as deux. Notre rêve dure encore. Céline, je t'adore. Bonne fête, Céline. Je t'adore. T'es la plus grande, mais dans notre cœur, t'es notre petite sœur. On t'aime, Céline! Bonne fête!
Eh ben, bonne fête, Céline. Je t'aime. Bonne fête, Céline, on t'adore. Bonne fête, Céline. Bonne fête, ma chérie. Personnes debout sur le plancher, 33 000 personnes. Mais la question, tout c'est que toi, tu vas être debout ou assis? Moi, je vais être ici. C'est juste ça, mon je veux amour, savoir. Je vais être ici, là, juste devant toi, ici, là, à la console de son. Okay. Après, watcher. Aurais-tu le goût des fois que René soit sur la scène avec toi pour vivre le kick de la scène? Mais des fois, il vient, par exemple. Juste dans les coulisses, parce qu'il y a tellement d'action, il y a tellement de monde. Que ce soir, je me faufile pour la dernière chanson, puis tu je sois caché. Tu peux venir chanter la dernière tune, hein? Que je sois caché derrière la batterie ou quelque chose comme ça, ça se peut. Ouais. Quand tu te faufiles comme ça, là, en arrière, est-ce qu'elle le sait, Céline, que t'es sur la scène? Non. Mais des fois, je te vois. Oui. Ben oui. Je te vois pas tout. Je ne vois que toi, mon amour. Dans mes rêves, dans mes chansons, dans les pistaches. Dans les arénas et les stadiums. Je vois pas tout. Si le monde entier, je sais pas, moi, chante avec moi puis tout ça, puis que lui, il vient me dire que c'était so-so, c'est lui que je vais croire, c'est sûr. Mais lui, il fait pas ça parce qu'il aime pas ça, là, c'est parce qu'il est concentré, il veut pas manquer un move que je fais, il veut pas manquer un mot, une note, une réaction. Il est bien, bien concentré. Mais au lieu d'être concentré de main, il est concentré de main. Il a su décoller tous les fonds de passe. Mais mets-toi à ma place, tout le monde est de main. Puis lui, il est de main dans la salle. Fait que moi, après le show, j'ai-tu hâte qu'il vienne me voir? J'ai hâte qu'il vienne me voir parce que là, je suis de main dans la loge, je sais que bien. Je suis de main dans la loge. Là, il rouvre la porte. Hein, mon amour? C'était... Je te dirais pas le mot qu'il dit, là, parce que moi, je sac pas. Lui non plus, il sac pas, d'ailleurs, mais il dit... Tout un show en soi. Tout un show! Mais il est tout de même tout le long du show. Moi, je pense qu'il va venir me dire, fais pas ça, une affaire de main, fais-moi plus jamais ça. Tu sais, c'est sûr que je pense tout le temps que c'est mon dernier show. Mais c'est vrai, t'es TV, c'est effrayant. T'es man... Le monde, là, qui disent dans la salle, là, c'est une mairesse, c'est l'Indien, doit dire pouh. Vu que c'est le plus gros kick de sa carrière ce soir, là, parce qu'il dit que c'est un gros kick pour lui d'être ici, là. Mm-hmm. Peut-être qu'il va se lever et avoir le bras dans les airs. On le sait pas, là. Peut-être. Mais la question, c'est que ton kick va être plus gros de voir le show ce soir que quand t'as bien faim et tu manges des mets libanais. C'est ça, la question. Quand tu chantes une chanson d'amour, ça t'arrive-tu de le chercher, des yeux? Ça m'est déjà... Mais qu'est-ce que tu dis là, toi, non? T'es qui que t'es, toi, pour savoir qu'est-ce que moi, je fais là-dedans? T'es supposé me connaître. Mais oui. Je te cherche. Je te cherche. Je te dis, t'as l'air, je te vois partout. Je te cherche partout où tu iras, je vais aller avec toi. J'irai où tu iras, moi. Mon pays sera toi. Je vais vous dire franchement, quand je parle de son look élevé puis sérieux, mais je pense que si je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui, pas je suis, mais où je suis rendue aujourd'hui, je pense justement c'est parce que t'as été il était tellement concentré à pas se laisser embarquer puis emballer par tout ce que oh, elle est fine, puis elle est bonne, puis on l'aime, puis elle est super, puis
Bon, ça, c'est une affaire, mais il y a de l'amélioration à faire aussi. Puis il y a place à amélioration toujours. Puis lui, il a toujours été là pour justement apprécier puis voir le monde. Il est content, il est fier, il pleure souvent. Il vient me voir. C'était super, soir. Il vient me voir. Mais après ça, on s'assoit puis il dit, gars, ça, fais attention quand tu dis ça. C'est un peu long, ça drague un peu. Mais c'est pour ça, son look, il est concentré. Il enjoy. Mais il est toujours, toujours bien, bien, bien concentré. Puis ça, c'est une, je pense que c'est une grosse qualité. De, non, mais c'est une grande qualité d'impresario. T'es un grand impresario, mon amour. If I want to say good evening, everyone, can you say that to me? Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. They will understand. If I yes, say that, goedenavond allemaal, they will go like this. No, 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 ah! No, scream. Goedenavond allemaal! Yes! Es-tu vraiment toute seule dans les cinq dernières minutes? Non. Okay. Il y a toujours quelqu'un avec toi? Oui. C'est jamais arrivé qu'elle a eu son 5 minutes à elle toute seule? Non, mais écoute, c'est supposé être comme ça. T'es témoin, Suzanne? T'es témoin! C'est jamais arrivé! Jamais! Elle a jamais eu son 5 minutes! Non, c'est parce qu'on veut. Dans le livre, c'est écrit. Dans le livre du show business, c'est écrit, mais c'est pas arrivé encore. Mais pourquoi fais-tu ça avant le show? Pourquoi fais-tu ça avant le show? C'est pour... Bon. Moi, dis, c'est pourquoi, moi. Dis pourquoi. Ça nettoie. Ce qu'il y a dedans, ça nettoie, puis ça détend, puis ça donne de la salive. Là-dedans, il y a de la petite vache. Oui. La petite vache, du sel, puis du sirop de carreau. Carreau. Le sirop de carreau, puis le sel, ça donne beaucoup de salive, parce que quand t'es nerveux, ça t'épaissit à la langue, là, puis tu viens fou, là, tu viens toute sec. Sans m'être imaginé une grosse place comme ça quand j'étais petite, je voyais ça big time pareil. Oui. Tu sais, je voyais pas un théâtre, ou je voyais pas un stadium, ou je voyais pas une aréna. Mais je voyais chanter pour beaucoup de monde. Fait que veux pas, oui. Je voulais que ça soit comme ça, puis c'est comme ça. Super impressionnée, vraiment. Parce que de voir la place vide, tu te dis, ah, ça se peut pas qu'il va y avoir plein de monde. Ça, c'est une chose. Mais quand The Show Must Go On, tu arrives sur scène, mais là, c'est vrai. Là, ce que tu vois, c'est pas une image, c'est pas du cinéma, c'est vrai. Puis c'est pour toi. Je me dis, ça se peut pas qu'on soit rendu là. Ça m'impressionne, tu sais. Je prends pas ça pour acquis du tout. On va arriver à Bruxelles tout à l'heure. Quand tu voyages, t'as quand même le temps de voir des choses. T'as quand même le temps de te promener. Qu'est-ce que t'as pensé d'Amsterdam? Amsterdam, j'ai marché un peu. Je suis allée voir, comme toi, le Red Light District il y a quelques années. C'est sûr que c'est fascinant. C'est important, je pense, d'avoir la chance d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de notre pays. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu les filles dans les vitrines? Moi, je vais dire sincèrement, des prostituées, je pense qu'il va toujours en avoir. Il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir dans tous les pays du monde. Moi, ce qui me fait de la peine, par exemple, chez nous, c'est de voir les filles qui, l'hiver, en petite mini-jupe, pratiquement avec les seins à l'air, qui gèlent. Ça, c'est dérangeant, moi, je trouve, un peu. Ils n'ont pas le choix, c'est fait comme ça. Ce que j'ai aimé ici d'Amsterdam, c'est que, bon, les prostituées, c'est un métier fou, là. C'est qu'elles sont quand même à l'abri. Elles sont dans des vitrines, sont au chaud, elles ne se font pas agresser. Ça fonctionne de la même façon, sauf que je trouve que c'est moins dangereux, c'est beaucoup mieux fait. Je pense que c'est fait avec beaucoup plus de respect, puis sont soignés, c'est correct. Pourquoi t'as plus les pieds sur terre que la majorité des mégastars? C'est sûr que quand je vois 50 000 personnes en avant de moi, ça me passe pas dans la tête, « Hey, je suis mégastar, ça a pas de bon sens, je suis connue, je suis une grosse vedette. » C'est pas ça qui me passe dans la tête. J'ai encore la boule dans la gorge. L'autre soir, quand le rideau s'est levé, puis j'ai vu 50 000 personnes devant moi. Ça m'a vraiment touchée, puis je m'attendais pas à ça. Je
parce que tout le monde l'aime, elle est géniale, quoi. Parce que c'est l'événement de l'année, la venue de Céline ici à Bruxelles. Si, parce que c'est la meilleure, la plus belle voix du monde, elle est inégalable. Elle se prend vraiment pas pour une star, elle est vraiment sympa avec nous et c'est pour ça qu'on l'adore. Pour moi de me concentrer ou j'ai une partie de moi qui est encore là-bas. Tu peux pas croire, tout le monde chante, tout le monde sont tous là. Le monde me font des messages. T'as-tu remarqué? As-tu vu les banderoles? Avoir ça un jour? Non. Non, parce que je sais que je peux pas avoir ça éternellement. Ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai 29 ans. J'espère avoir ça encore pour une bonne dizaine d'années. Si ça m'arrive encore pour 10 ans, je vais avoir eu la carrière la plus belle au monde. Bonsoir,
Céline. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, bonsoir. C'est vous qui avez demandé à Céline pour le premier album. Qui a demandé à qui pour le deuxième? Est-ce que c'est Céline qui vous a demandé de refaire le deuxième? Je crois que nous étions tous les trois, René, Céline et moi, peut-être après un concert. Dans un resto, je me rappelle. À Bercy, je crois, et peut-être René a dit « qu'est-ce qu'on fait pour le prochain? » C'est peut-être René qui a posé la question comme ça, alors que c'était pas du tout d'actualité. Et j'ai dit « ben moi, si j'ai des idées et si je trouve, évidemment, je veux le faire. » On ne change pas, on attrape des airs et des pauses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Il y a une chanson sur l'album qui s'intitule « On ne change pas ». Puis Céline, dans cette chanson-là, parle de la petite fille de Charlemagne qui est inquiète. Est-ce que cette petite fille refait surface souvent, Céline? Moi, je pense que les gens ne changent pas vraiment. Et quand Jean-Jacques m'a présenté cette chanson-là, moi, ça m'a fait frissonner beaucoup. Parce que... effectivement, chaque jour, bon, quand je fais ces voyages, quand je me retrouve sur scène, quand je me maquille, quand j'habille les designers, quand je mets les talons hauts puis quand je me présente devant les caméras, c'est sûr qu'il y a toujours cette petite fille, Meg, qui vient de Charlemagne, qui est timide, mais qui est emballée par ses grands rêves qu'elle a dans sa tête et dans son cœur, qui veut parcourir le monde, mais qui a peur, qui est maigrichonne et qui, en même temps, qui est toute fragile. Elle est là tout le temps. Une petite fille, ingrate et solitaire, on marche et rêve dans les neiges, en oubliant le froid. Si je la maquille, elle disparaît un peu, le temps de me regarder faire et se moquer de moi. Une petite fille. Notre enfance, c'est des choses pleines d'émotions et des fois, c'est difficile. Une enfance, c'est difficile des fois. Mais de chanter ça, je trouve ça formidable. Mais on ne change pas. En quoi ça a été difficile, l'enfance, pour toi? Mais je sais pas, on n'est pas sûr. Moi, j'étais pas sûre de moi. Je pense que c'est comme ça pour plusieurs personnes, mais j'étais pas sûre de moi. J'étais pas belle. J'avais des grands cheveux longs. J'avais les bras plus longs que tout mon corps. J'avais de vilaines dents. J'avais un teint un peu grisonnant. J'étais pas vraiment bien habillée. J'avais l'air d'une petite pauvre, mais en même temps, j'étais remplie d'amour. Mais j'avais pas l'air d'une fille qui était remplie d'amour parce que, bon, on avait quand même pas beaucoup d'argent. J'étais quand même pas très bien habillée. Je trouvais pas que j'avais des traits très, très féminins. J'étais un peu maigre. J'avais pas beaucoup d'amis parce que j'avais envie de rester à la maison avec mes frères puis mes sœurs. Je sais pas, je me sentais pas vraiment... j'avais l'impression d'être plus grande que physiquement que dans ma tête. Je sais pas, j'étais pas vraiment très à l'aise avec moi. Je trouve qu'une enfance, quand j'allais à l'école, j'haïssais l'école, je faisais un peu abuser de moi physiquement, genre on me pitchait des balles de neige parce que bon, j'avais toujours ces jupes avec ces collants, puis les petits me disaient, les garçons me disaient, tu m'apportes pas des oranges puis des pommes après dîner, je vais te planter après les cours puis tu vas voir, ça va aller mal. Puis moi là, je prenais ça au sérieux puis j'avais peur, puis ils me pitchaient des balles de neige après les mollets, puis je courais pour m'en revenir à la maison, puis là j'amenais 2-3 pommes puis 4-5 oranges pour leur donner. J'avais peur, je me battais pas à l'école. Moi, quand quelqu'un me poussait, je repoussais pas ces gens-là. Je me laissais un peu faire. J'étais fragile, je pense. C'est drôle, Jean-Jacques, parce que Céline n'a jamais vraiment parlé de ça. Comment vous faites pour sentir ça chez elle? Parce que vous l'avez quand même pas connue à cette époque-là. Comment vous faites pour traduire ça dans vos chansons? Il y a un moment où une chanteuse en particulier est très vulnérable, c'est au moment où elle chante. C'est un moment où elle laisse les vernis à la porte, où elle laisse les faux-semblants, où tous les personnages qu'elle pourrait jouer. N'importe quelle chanteuse, elle devient... exactement ce qu'elle est, et la petite fille qu'elle est, extrêmement vulnérable à ce moment-là. Vivre et mourir, on vivrait en vie, rendez-vous
Céline chante un ton et demi plus bas en français qu'en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas là, la musique là, comme moi, là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bon, si je fais ça, c'est un ton et demi de plus bas. Puis mais pourquoi? C'est difficile là, de faire ça vocalement comme ça. Mais pourquoi tu chantes plus bas en français qu'en anglais? Je pense qu'en anglais, il y a des intonations qui demandent des sons, qu'en français, c'est autre chose. C'est une autre approche vocalement. Donc, ça me fascine beaucoup, moi aussi, ça. Mais en anglais, les chansons sont toujours plus hautes. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je chante un peu plus fort ou un peu plus aigu. En français, c'est plus posé. C'est plus... c'est comme un poème. Si tu chantes un poème, je trouve que quand tu chantes en français, c'est beaucoup plus poétique. Donc, c'est plus calme, c'est plus doux. Donc, c'est plus bas. Une rue comme d'autres. Suspend une tache, une faute, et soudain tu comprends impudence inouïe. Est-ce que vous trouvez que Céline a un accent québécois quand vous lui parlez? Est-ce que parfois vous avez du mal à vous comprendre? Vous plaisantez, je suppose. Non, parce quand que. Quand elle parle avec sa sœur ou en famille, je comprends rien. Vous comprenez rien? Ah non, il faut qu'elle fasse un effort pour que je comprenne. C'est vrai? C'est sûr. Ah oui. Si je parle avec Manon très vite, il comprend rien. Vous faites exprès pour rien comprendre. Vous êtes comme tous les Français. Ouais, vous voulez pas comprendre. Merci beaucoup et bonne nuit. Merci d'avoir veillé tard. Merci bien. Tu peux aller fermer les lumières de ton arc de triomphe, Jean-Jacques. Tout est correct. Voilà. Merci. Je te l'offre. Est-ce qu'on peut voir où vous êtes? Est-ce que la caméra peut reculer un peu? Alors, voilà. Et là, on est aux petites heures du matin pour vous, mais en principe, l'Arc de Triomphe ferme à minuit. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit ouvert à cette heure-ci? On a demandé une dérogation et comme dit M. John qui est là, nous sommes arrangés. Merci beaucoup, Jean-Jacques Goldman. Bonne nuit. Jean-Jacques, je t'aime fort. Je t'embrasse. Merci. Moi aussi, je t'embrasse. J'ai hâte de te voir. À très bientôt, j'espère moi aussi. J'espère que tu vas venir voir mon show. Oui. All right. À bientôt. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. René, on est chez toi en Floride et dans quelques heures, tu t'en vas pour Hong Kong. Tu pars pour l'Asie pendant plusieurs semaines. On était en plein dans la tournée Let's Talk About Love. C'est la plus grande tournée de votre vie. Ouais. Quel bilan t'en fais de cette tournée-là, toi? Bien, c'est une tournée exceptionnelle. C'est... qu'est-ce qu'on peut dire de plus que... C'est sold out partout. Ça va être un moment que Céline et moi, on n'oubliera jamais, c'est certain. Puis avec la scène centrale, c'est une nouvelle expérience pour Céline aussi, de faire des shows avec les gens autour d'elle. Là, les gens se demandent tous comment Céline fait pour... Parce qu'elle entre sur scène comme ouais. Par un ascenseur par le dessous de la scène. Ouais. Mais une fois que les 25 ou 30 000 personnes sont dans le stade ou dans l'aréna, comment elle fait pour être là, en dessous de la scène? Est-ce qu'elle arrive la veille puis qu'elle couche en dessous du stage jusqu'à ce que le monde rentre? Est-ce qu'il y a un tunnel souterrain? Ouais. Comment ça se passe? Non, mais on peut peut-être en parler. Les spectacles ont eu lieu dans Montréal. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Hein? Il y a deux autres spectacles. Il faut surveiller une petite boîte noire. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut surveiller... Pas la petite boîte noire qu'on retrouve dans un avion, là, mais une boîte noire un peu plus grosse, à un moment donné, qui fait son apparition avec d'autres boîtes. Okay. Donc, on va peut-être montrer ça tout à l'heure, la fameuse boîte noire. Ouais. タイタニック5回も見ました。頑張ってください。大好きです。2 years ago we were here and it's so wonderful to be back and see all of you.
Tokyo! Un record que tu as vendu tous les billets en 38 minutes? Ça, je savais pas, là, mais là, jusqu'à la date, il y a des records, des records, des records. C'est pour ça que je fais des records, hein? C'est pour ça que c'est pour ça qu'elle fait des records, la petite fille! Dégage toutes les équipes de télévision en ce moment parce que Céline se prépare à faire son entrée sur la scène. Et puis les équipes n'ont pas le droit d'être là. Les équipes n'ont pas le droit d'être là. Oui, mais nous autres, on va être là. Ah, mais vous autres, c'est pas pareil. Mon petit directeur de tournée est très énervé en ce moment. Ah oui. Okay, j'ai mangé mon biscuit tantôt devant l'équipe française. Mais tu es énervé toi. Mais toi, c'est pas ça. C'est toi qui s'est trompé. Tu sais ce que tu me dis? Quoi? Tu me dis, attends, ils veulent filmer le biscuit. Oui. Fait que moi, je mange le biscuit. Oui. Mais moi, je pense qu'ils veulent que je fasse la job. Pourquoi un biscuit soda, Céline, une minute avant le show? Parce que c'est très, très bon pour moi. L'équipe française arrive ici. Moi, je mange le biscuit. Tu fais la job. Puis je commence à y cracher dans la face. Oui. Le gars, il a fait ça de même. Il est venu blanc. Il a pas trouvé ça drôle. Mais là, il a pas compris, fait que j'ai dit, ah, oh, c'est parce que c'est une blague, là, tu sais. J'ai été assez oublié. J'ai été obligée d'y expliquer, j'avais de l'icône, puis j'avais du biscuit partout ici dans le rouge à lèvres, c'est pas trop beau. Oh, ouais. Vous voulez filmer le biscuit? C'est ça qui arrive. Faut pas parler du biscuit, c'est pas du sang courageux. Non, mais c'est ça, comment ça que c'est ça, lui? Je sais pas. Il voulait juste me voir manger un biscuit comme ça pour le fun. Ben, il y a quelqu'un qui a parlé du biscuit, mais à moitié, j'imagine. Ouais, ben, il y a eu l'autre moitié d'en face. Faut y aller? Oui. Donc, on va te suivre jusqu'à ce que tu entres dans la boîte. OK. Est-ce que tu es claustrophobe? Tu me diras quand je ferme la boîte, là, je vais fermer ma boîte. Non, ferme la boîte. Non. Et est-ce que tu es claustrophobe dans la boîte? Non, pas du tout. Non. Je sais qu'il y a deux personnes qui s'occupent de moi, puis que. Faut faire confiance, hein. Ça, c'est dans la vie, faut faire confiance au monde. Si tu fais pas confiance, t'as un gros problème, spécialement dans le show business. Si le gars, il dit, fais-toi-en pas, je vais te monter 40 pieds dans les airs, puis le show va partir, puis je vais te redescendre, puis là, tout tient, tout part. Mais moi, j'ai beaucoup confiance que dans 2 minutes, tu vas être sur scène. Oui, tu me fais confiance. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. C'est correct, hein? Dans 2 minutes, je suis sur scène. Pour ça, je fais 17 ans. OK. OK, on vous suit, les filles. OK. Ça. Toutes les dents sont là. Bon, mes cheveux. Bye, les filles. Je suis prête à aller faire le show, là. J'ai pas d'adrénaline, pantoute. Pour du train qui passe, ce train c'est le mien. Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous. J'aurais pu rester où la roue tourne autour des doigts. À chaque fois, ça coûte partout. Le monde est là encore. Et si j'aurais eu rendez-vous dans un autre monde, si notre vie, mes nuits seront plus longues que mes nuits. Et mourir, pour mourir, vivre et en vie. Rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits. Showtime! Top, l'équipe est complète? Tu rentres jamais sur scène tant que tu l'auras pas tous parlé? C'est sûr que non. Une fois, j'étais à moitié chemin. On a reviré de bord, on a ouvert, là, je te dis, je suis sortie, je paniquais. T'as reviré de bord parce qu'il en manquait un? Non, il manquait tout le monde, j'avais oublié. Tout était sénant. Hey, c'est fait, tout le monde? J'ai fait tout le monde? Bon, explique-nous comment ça se passe. Là, je m'assieds ici comme un chien dans ma niche, puis j'espère qu'il ne m'amène pas à SPCA. Trompez-vous pas, les gars, amenez-moi pas à SPCA, là! Pas de problème. D'habitude. Et où, la petite fan? Là, okay. Là, puis il y a une petite fan ici, gars. OK. OK, avant de... Salut, mon chien, que toi, il est fait. Attention à toi. Okay. Salut, tout le monde. Ciao. Bye. Salut, on se voit tout à l'heure. En tout stage. Salut. Great show. Bye. Ça va-tu, Céline? Ah oh oui, ça va bien. Ça sent pas trop le chien. Bye!
quand même assez petite, la tête me cogne au plafond. Il y a des bosses partout, ça fait mal. Faut que je me tienne un peu parce que j'entends le monde. Ah, c'est ça, là, dans la boîte, dans la boîte. Là, je suis panique, je me dis, oh, je peux pas y voir. Je sais pas. C'est un moment d'insécurité, je sais pas, j'aime pas vraiment ça. Donne le go pour le show, là. À quel moment que tu décides que... Non, il y en a bien des, boss ici. Il y en a bien du monde qui donne des go. Moi, je dis go, les autres sont pas prêts. Les autres, ils disent go, moi, je suis pas prête. Quand la technique fonctionne, j'ai les écouteurs, je suis prête, le costume, tout est zippé, les bottes sont mis. Je fais signe, go, ça part. Donc, c'est toi le boss. C'est ça que je disais. Attention pour un noir sec qui vient de la salle. Attention, Bill. Prêt, tout le monde. Celine, Let's Talk About Love, and the song arrived at the very last minute in the studio. Why? You were sleeping and you say, I must do a song for Celine, and I will send. C'est une idée d'un autre ami de moi qui a composé avec moi aussi. Il s'appelle Elliot Kennedy, il est anglais. Et il aime bien la voix de Celine, comme moi. Et il dit, j'ai une idée pour une chanson. Mais c'est impossible pour finir. Help me. Je dis, bon, bien, pour un café aujourd'hui, écrire nos chansons. La semaine prochaine, je vais faire une démo, petite démo tape, juste très simple, acoustique guitare. Et envoyer, je pense, c'est plus tard. Parce qu'elle était déjà en studio, là, ouais. L'album était fini. Il était fini, oui. Et bonjour, c'est le téléphone bougé. Allô? C'est René. I love this song. It's a great song. Céline loves it too. Hello. Céline wants to say hello. I love this song. It's beautiful. And it's a hit now. You think? Yeah, and it's the title of the album. Vous avez écrit un hit comme ça en une journée en prenant un café. C'est ça? Ouais, it took you one day to do it? Une heure. Une heure? Ouais. 1 hour for a song? The duo with Celine at Cannes. Right. You an invitation de Celine. Right. Right. And you, when you sang together, it was very sensual. Oh, she's so beautiful. She's la plus belle voix. Ouais. Super. You made photo of Céline, too, hein? Oui, c'est pour un livre. And what kind of photo is it? C'est Céline dans la rue de Miami. C'est très simple. Do you feel Céline is a sensual woman? Oui. Oui. But you know it's true. Everything I do. To believe, but it's all coming back to me.
chanson la plus difficile pour toi ce soir? Tu sais, la chanson là, que tu disais avant, là. Oh. Peut-être All by Myself. Parce que c'est une chanson performante. Il y a une note haute à aller chercher. Il y a une note seule, puis j'ai pas de musique en arrière de moi, rien. Je suis seule, puis le monde l'attend, tu sais. Au début, quand la chanson a sorti, je faisais la note, puis tout le monde disait aïe, aïe, tout le monde était content, puis ça se peut pas, puis bon. Puis là, maintenant qu'ils l'ont entendu à la radio, puis que j'ai mon vent chaud, puis je suis capable de la faire, là, ils se disent oh, ouais, donne-nous la note. Là, ils l'attendent. Je suis mieux de la donner, tu sais. Je fais mon possible. Puis y a-tu des soirs où tu dis non, là, j'ai pas été capable, ou ça vient? Je touche du bois, là, ça a toujours été correct. Mais il y a des soirs que ça sonne mieux que d'autres, que techniquement, ça sonne mieux. Puis que techniquement, des fois, c'est pas super bon, mais fait. Ça sonnait correct, là, mais techniquement, c'était pas correct en tout. Mais t'as livré la note. Les livrés en marchandises, la note est finie, c'est sorti. Changeons de chanson, là, changeons de record, tout est correct, mais c'est pas évident. Don't wanna be all by myself anymore. Elvis faisait toujours ça comme ça quand il chantait. Four. Yeah. Toi maintenant, il y a un geste qui est rentré dans le show business, c'est comme ça. Comment ça a commencé, ça? Je veux remercier le monde, puis je leur dis merci. Je leur envoie des becs, puis je veux leur dire que ça vient du cœur. Fait que j'imagine que je suis portée à faire ça. Non, je mais tu le fais quand tu chantes. Oh, je le fais quand je chante? Oui. Je me frappe de temps en temps. Let's talk about love. Je te le dis! C'est peut-être pour ça que j'ai mal, là, puis je sais pas pourquoi. Mais quand tu te vois chanter, tu te rends pas compte que tu le chantes? Je m'en suis aperçue énormément quand j'ai chanté la chanson My Heart Will Go On, la chanson du Titanic, okay, aux Oscars. Quand j'avais le gros cœur dans le cou, puis j'ai donné une claque de même sur le cœur, puis que le cœur a failli partir, ça, je m'en rappelle parce que je chantais. Puis dans l'émotion, j'ai fait ça de même. Puis là, je me suis fait mal parce que le cœur était assez gros, plein de diamants. Il était 14 pesant, millions, hein? Je sais pas combien, en tout cas. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'espère que le cœur n'est pas cassé. Puis là, il fallait que je continue à chanter ma chanson. Je te dis, je me suis fait mal pour vrai après, mais le cœur restait là. Tu étais bien accroché. Puis là, à un moment donné, le cou commence à me descendre. De même, le collier était pesant. Je dis, coudonc, mais oui, c'est vrai. Là, j'étais toute fière, les bodyguards. Les bodyguards n'étaient pas là pour moi. We'll keep an eye on you. No problem. We'll keep an eye on you. We'll keep an eye on you. C'était plutôt ça. Je prenais bien soin du cœur. Mais là, quand je me suis énervée, moi, là, we'll stay forever. Là, j'ai donné un coup sur le cœur. Je me suis dit, oh, tabarnouche, c'est vrai, j'ai le cœur, moi, là. Puis là, j'ai vu le monde dans la salle faire ça comme ça. Puis là, je me suis dit, ça leur a passé dans la tête que, tu sais, je dis, si le cœur tombe à terre, là, n'importe qui de fou peut sauter sur le cœur, puis les bodyguards, sur moi, la chanson est finie, c'est l'enfer. Mais tu te rends compte que ça fait partie de toi, ça, maintenant, ça là. Ça fait partie du Guinness, là. Oui, c'est une marque de commerce, là. Mais c'est pas des mouvements qui sont pensés. Je me laisse emporter par le moment, puis de temps en temps, je le fais, je sais pas pourquoi, mais... Qu'est-ce que tu veux? On a toutes quelque chose. Elvis, c'était ça, puis moi, je me frappe. Fait, qu'est-ce que tu veux? Merci. Je suis une femme battue. Céline, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais on t'imite à la célèbre émission humoristique américaine Saturday Night Live. Mm-hmm. Est-ce que tu aimes ton imitation? Non. I am Céline Dion, and I am the best singer in the world! Elle exagère, là, c'est sûr, mais elle prend, dans le fond, ce que la personne est, puis elle multiplie par 1000, là, ou ça. Par 100, ou par 3. Elle grossit tout. Elle grossit le tout, mais c'est drôle. Allô, allô, I'm Céline Dion. I'm so happy and lucky to be here today. My life is better than I ever imagined it would be. For sure, better than yours anyway. And how much time did you make an impression of Céline Dion? Oh, well, we've done it a couple of times on the show, and so I spent a lot of time with tapes, you know, a couple of days at a time, and I went to see Divas Live. Actually, I went in the audience, and I studied all of her moves and just watched a lot of tapes, a lot of interviews, and try to get her speech style down. And can you speak in the Céline way now if I say, how was the show tonight?
It was the best show in the world. It was so beautiful. I love it. So beautiful. Bonjour. Bonjour, ma petite. Bonjour, René. Apparemment que René aussi fait partie de ces émissions-là, mais c'est écoute. Je me dis que si on passe à Saturday Night Live, on se fait imiter, si on doit faire quelque chose de correct, certain, tu sais. C'est la consécration. I love you, René. You are a creative lover and my swimsuit area urge for you. C'est spécial de se voir imiter comme ça, mais c'est ça fait quand même plaisir à quelque part. Tu ris quand tu vois ça. Ben oui, c'est sûr, j'ai quand même le sens de l'humour, vous savez. Yes. Ça va bien, toi, Céline? Oui, ça va bien. Ça va mieux, là. Oui? Oui, là, ça va mieux. Le stress est passé? Non. Non, non, mais ça va bien. Parce que là, je sais ce qui arrive. Le soundcheck est fait, le son est bon, la salle est belle, tout est beau, là. Les Bee Gees, on a répété, ça va bien, ils sont contents. Diana King est contente aussi. Là, moi, tout... mes petits-enfants sont contents, maman est contente. Bon, maman, pendant que maman répète sa scène, René est en bas, en dessous de la scène. Il pis... Non, il fait de la business. C'est vrai? Oui. Es-tu là? Oui, oui. Tu peux-tu nous faire visiter? On... Oui, bien oui, certain. On... Faites attention à votre dos, par exemple. Parce bon, explique, que c'est... explique aux gens là, qui n'ont pas vu le show comment ça se passe. Pourquoi ce qui arrive, c'est que normalement, quand on a une scène comme ça, normale, backstage, on peut toujours faire des changements de costume, on peut arriver par derrière la scène, les gens ne nous voient pas. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est... on se retrouve au milieu de tout le monde. On a une scène centrale. Fait que je ne peux pas aller me changer nulle part, sauf en dessous de la scène. Toute la technique du stage, le show part, on est tout le monde est sous la scène. Quand on apparaît les changements de costume, etc., tout se fait sous la scène, mais c'est à peu près 4 pieds de haut. Donc, quand je sors de scène et que j'arrive ici, il faut que je me penche. Puis avec mes problèmes de dos, c'est pas évident. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, mais on a des sièges roulants assez bas. Donc, c'est pas évident. Puis il fait chaud sous la scène. Ceux qui travaillent là, là... Il travaille fort, c'est dur. C'est comme ta petite maison, ça, en dessous de la... C'est une petite cachette. Bon, la petite niche à chien. Fais-nous visiter ta niche. Viens, on va manger ma petite maison. On va se passer. Faites attention à votre dos. Va pas trop vite, Céline. Fait quand je me change, j'arrive ici tout en courant, mais en plié en deux. OK. Ces deux moineaux-là sont pas là, normalement. Là, ils sont là parce qu'ils travaillent en team business here. Yeah, what a place. Don't hide from us. Céline, pendant le show, René n'est pas là, évidemment. Non, non, non. Mais ici, il y a beaucoup de monde, par exemple. Sur la scène, il y a des gens ici, la technique, tu vas voir, il y a des moniteurs là, partout. Il y a des gens ici, il y a des gens accroupis un peu partout. Ça, c'est toute la technique. C'est tout le spectacle ici. S'il y a un problème technique, de lumière, qu'il arrive quoi que ce soit, il y a une panne d'électricité ou il y a une pastille qui ne descend pas. Où il y a une pastille qui descend, puis les musiciens sont en train de descendre. Il y a des boutons d'urgence un peu partout. Il y a des musiciens, des techniciens qui montent en haut. Tout se passe sous la scène. C'est ici, là, c'est... Il y a une notion de risque, hein, je pense, ici. Tout peut être dangereux. Parce que si tu peux pas être sous une pastille, si elle descend, tu te fais écraser. C'est sûr. Moi, je vais te montrer ma loge. Ici, il y a un miroir. J'ai une petite table ici avec des Q-tips, avec, bon, de l'eau. Lors du spectacle, des mouchoirs. C'est pas l'idéal, parce que c'est très restreint. Mais on s'arrange, parce que c'est quand même sous la scène. Ce qui arrive, c'est qu'ici, il y a un petit rideau. Comme tu peux voir, ici, il y a un petit drapeau jaune de sécurité. Quand ça, c'est descendu, on n'a pas le droit d'accès, là. Ça, c'est la plateforme où j'apparais le soir. Tu sais, la pastille au centre du stage où je lève et je descends. Ça veut dire, passe pas là parce que la plateforme pourrait descendre. C'est exactement. La plateforme peut descendre n'importe quand. C'est la fin, notre éclairagiste qui donne les cues qu'elle peut descendre ou monter. Ça, t'as pas le droit d'accès. C'est comme une tour de contrôle, hein? Moi, quand j'arrive ici là, pour faire mon changement de costume, ça a été levé par un technicien. Loulou, Louise Labranche, qui est mon assistante en tournée, prépare les costumes là, avec des cintres, un miroir, tout est préparé parce que la pastille a été montée à un cue spécifique, là. Donc, j'arrive, moi, je dépose mon micro ici. Là? Comme ça, regarde. Demain. OK? Je vais me changer. Quand je ressors, je m'assois sur ce petit banc-là. Eux autres, ils descendent ça, ils ferment les rideaux. Je me prépare ici, un petit peu de poudre. Je regarde pour voir si j'ai pas un coup de micro dans le front, je sais pas quoi, là, quelque chose de dramatique. Je me secoue les cheveux rapidement. Et puis, ils relèvent ça, puis j'embarque, puis je remonte. Hey, merci beaucoup, Céline. C'est comme faire du camping, hein? C'est en plein ça. C'est du camping. J'ai toujours rêvé d'en faire. J'ai jamais eu la chance d'en faire, puis je me suis dit, c'est en tournée, vaut mieux tard que jamais. Tu vas me payer de grosses tentes. On va me payer une grosse tente en plein milieu de tout le monde, c'est sûr. One more time! Yeah.
anniversaire, c'était le 17, c'était notre anniversaire de mariage. Puis, j'avais aucune idée de ce qui était pour arriver. Moi, je pensais que c'était pour être un show normal. Puis, à un moment donné, je me prépare pour faire Treat Her Like a Lady, puis je me mets en position. Puis, normalement, la chanson devrait partir, puis là, ça part pas, puis c'est Mingo qui commence à parler. Céline, mesdames et messieurs, on est rendu à un moment très spécial du spectacle. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Il n'est pas supposé parler rendu là, tu dans parlais. Le spectacle, lui. Non, c'est ça. Je suis supposé partir une tour à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous diriez si René viendrait rejoindre Céline ici sur la scène? Je pense que c'est un... Alors, René, est-ce qu'on pourrait te demander de venir nous rejoindre ici sur la salle? Là, René, t'aurais dû voir la face paniquée, là. Il est tellement irrié, là, mais... il riait jaune un peu. Parce que René, quand il n'est pas en contrôle et qu'il ne sait pas ce qui arrive, il panique, il n'aime pas même ça, que ce qu'ils sont en train de faire. Imagine-toi. Là, je suis obligé de descendre. Puis tout le temps que je descends, je me dis, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça va ralentir le rythme du spectacle. Il y a 23 000 personnes. Puis en arrivant sur la scène, je la regarde de même en disant, j'espère que tu sais ce que tu fais. Je vais vous dire une affaire, quand on joue au golf puis il va aller à sa balle, il marche plus vite que ça. Puis là, il fait venir le cœur de chant qui nous chante une belle chanson d'amour, justement, avec Grégory Charles. Puis ensuite, au milieu du cœur de chant, apparaissent papa et maman, dont on est venu fou. Bonsoir, Madame Angéline. Pardon. Madame Streisand, ma mère, alors, Madame Angéline. Ah, bonsoir, René. Oh, et que j'aime ça, une bataille, oui, hein? T'as donc ça, Tibé, là? T'aimerais pas ça, une petite barre de même? J'aimerais ça, maman, mais dans ta face à toi, comprends-tu? Hey, en tout cas, hey, félicitations hein, pour votre 4e anniversaire de mariage. Hey, 4 ans, Timé, 4 ans de mariage et nostalgie proc. On va tirer un joint. Hey, nous autres, les totaux, là, ça fait 40 ans qu'on est mariés, madame. Mais pourquoi tu parles de ça, là? Tu veux-tu me déprimer, c'est ça? Oh, hey, là, je voudrais juste vous donner un petit truc, hein, pour que votre mariage dure, OK? Là, vous, Madame Dionne, Madame Dionne, c'est ça? Oui. Oui. Restez vous-même, OK? Non, mais essayez pas de copier personne, là. Je sais pas si vous comprenez, là, hein? Enlevez la capine pour arrêter de m'imiter, quand même. Par contre, René, une petite casquette, ça ne ferait pas de tort sur le coco. Hein? Oh. Elle est d'accord, en plus. Hey, on a des cadeaux pour vous autres. Hein? Ouais, ouais. Ça, c'est un cadeau de ma fille Thérèse, OK? Elle... Non. Non, mais elle a fait des coronates. Et là, on a juste apporté un morceau, hein? Ça, c'est le restant du plat est dehors dans un tirou. Puis moi, René, j'ai ça pour vous ici, là. Ça, c'est pour mettre une espèce de sac, là. C'est pour mettre votre change en tournée. Ah! Oh. Hey, pour vous, Céline, regardez. Hey, ça, c'est votre dernier CD. Hein? Vous êtes tellement occupé, vous n'avez pas le temps d'écouter. Hein? Envoyez. Là. Vous, René, je voulais vous acheter le dernier disque des Baronets. Mais il s'en vend tellement qu'il n'a plus d'une part. En tout cas, hey, on va vous souhaiter là, hein, un bel anniversaire. Hein? Ben oui, un bel anniversaire, certain. Puis un truc pour rester amoureux. Peut-être un petit truc pour rester amoureux, là. Hein? Oui. Faites l'amour. Hein, tu mets? Avec qui, moi-même? OK, bon, salut tout le monde. Bye-bye tout le monde. C'était un moment très, très fort. Ceux qui étaient là ce soir-là vont se rappeler de ça.
C'était une belle surprise pour notre anniversaire de mariage. Céline, c'est quelqu'un qui avance. Donc, elle monte une marche à la fois, sauf qu'elle ne sait pas où l'escalier va mener. Céline, c'est une athlète. Elle est là pour faire ce qu'elle est faite. Elle est née pour faire, c'est-à-dire elle chanter. Elle avance, elle fait du mieux qu'elle peut. Et ensuite, il y a les résultats qui arrivent. Ladies and gentlemen, introducing Céline Dion. Céline, t'as gagné des Grammys, des Junos, des Félix, des Oscars, des World Music Awards. Est-ce que tu as déjà gagné un People's Choice Award? Non. Est-ce que ce serait le seul trophée qui lui manque? Bien, je suis certain qu'il y en a qu'on ne connaît pas, mais celui-là, c'est important qu'elle n'ait jamais gagné. Mrs. Stewart, is it the first time you met Céline? No, no, no. We're old friends as of... That's right. As of a year. That's right. We've met about a year ago. Yes. When the Titanic started, when yes. this big magic moment started. Right, right. Both of us, we were... In yes. the boat. Yes. René, es-tu excitée d'être sur le tapis rouge et de voir plein de vedettes? Est-ce que t'as encore un thrill? Ah oui, oui, absolument. Ça, c'est toujours excitant de voir les artistes qu'on voit au cinéma, les voir en personne, évidemment. Ce soir, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait partie du film Titanic, qu'on avait rencontré à la première puis qu'on revoit. Est-ce qu'il y a une vedette que t'es particulièrement excitée de côtoyer ce soir? Céline Dion. Live from the Pasadena Civic Auditorium, it's the 25th Annual People's Choice Award. And your choice for favorite female musical performer is Celine Dion. Thank you so much. Love you too. We keep doing what we're doing because for your support. Thank you so very, very much for this great honor tonight. Céline, on va te suivre pour voir ce qui se passe après que tu aies reçu un prix. OK. À chaque trois pieds, les gens nous posent les mêmes questions. C'est quoi la question qu'on te pose le plus? Et puis fatigante, là, ces gens. C'est quoi le designer de ta robe? C'est quoi le designer de votre robe? Comme si Comet Cara, votre diamant. Tu sais, c'est comme... C'est sûr, c'est glamorous, puis c'est le fun, tout ça. Mais je pense qu'il y a tellement des choses plus importantes que ça. T'as-tu vu les flashs? Là, à chaque fois que je viens prendre des photos ici, je me dis tout le temps... Rémi achète tous les journaux, tu sais. Là, je m'attends tout le temps, je me dis... À un moment donné, je vais ouvrir une page, puis ça va être marqué « Would you be cut dead in this outfit? » Tu sais, la plus mal habillée, là. J'ai à peu près une centaine d'entrevues. On pose une centaine de questions. S'il y en a beaucoup. Puis on fait des entrevues, des photographes. Puis là, le vent te pogne dans les cheveux. Puis là, il faut que tu sois ton meilleur. Puis quand tu as une couette comme ça, bien, c'est celle-là qui prend de passer dans les journaux, tu sais. Une bretelle qui descend, puis c'est celle-là qui passe. C'est ingrat, hein. C'est jamais... Si tu gagnes, bon, bien, tu vas derrière scène. Puis là, t'as encore plein d'interviews à faire. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner? Après ça, c'est la presse. Après ça, c'est la pièce des photos. Après ça, c'est la radio. Après ça, t'as des interviews individuelles à faire. Ça finit jamais. Hi, Paul. This is Renee Angela. How are you? You wanted to speak to Celine? This is for the Grammy magazine. Okay. What I'm going to do now, I mean, the most important thing for me is to do songs that I love. So, Renee and I, we choose everything together. What we want to do, what kind of TV specials we want to do. Do we want to do one? Do we want to use five producers, two producers? It depends. I mean, we choose everything together. J'ai passé trop de temps sur la route à espérer les faibles traces que tu as semées. Tu savais combien je t'ai manqué. Ces journées sombres au sol, je l'ai souvent prié. Tonight, live from the Shrine Auditorium in Los Angeles, it's the 26th Annual American Music Awards. And the winner is Sun Mama, I love it, Celine Dion.
say thank you very much to all the people who work in the shadow, work so hard all year long. All the fans, you don't know how much I love you. I appreciate it so much. Thank you, guys. God bless you. Oui, et Céline, tu nous avais dit que tu n'avais jamais gagné des American Music Awards. Non. Mais dans le programme des American Music Awards, ils disent que tu en as déjà gagné un. Moi, j'ai déjà gagné. L'an dernier, elle a gagné Favorite Female Artist Pop Rock. We're not really part of this. Mais René me dit que non, je ne me rappelle pas, moi non plus. Je pense que vous en avez trop gagné. Ils se sont trompés, moi. J'étais pas ici, c'est pour ça. Bon, she won, elle avait gagné un. Bon, elle avait gagné un. C'est moi, j'en ai gagné un, mais j'étais pas là, fait que je m'en rappelle pas. Welcome to the 41st Annual Grammy Awards, celebrating the best in recorded music for the past year. And the record of the year is... Who is it? My Heart Will Go On, Celine Dion. Wonderful. Thank you so very much. Of course, Renee, I want to say thanks to you, sweetheart, for taking care of my heart. Everybody's taking care of my career, producers, writers, everybody. But thank you for taking care of my heart. This is the most important thing. I'm so happy. Thank you so much, my family. Thanks. Ce soir, il est arrivé quelque chose de bien particulier. Normalement, ils viennent me chercher une demi-heure avant mon numéro. Ce soir, je suis assise dans la salle. Je suis là, j'applaudis. Ah, c'est beau, tout. Puis j'attends. À un moment donné, il y a un gars qui arrive en courant. Il dit, en anglais, là, mais il dit, « Excuse, il dit, viens-t'en vite, il te reste 5 minutes, on t'a oublié. » J'ai regardé le... Puis là, j'ai même pas eu le temps de faire. Hein? Je comprends pas, là, tu m'as oublié, là. J'ai même pas eu le temps de faire de chicane ou de me fâcher. Il me reste 5 minutes. Les talons hauts, j'ai pogné la robe. Toi, ah ouais, code backstage. Je suis montée en haut. Je te jure, là, il y avait du monde dans ma loge. Il y avait le maquilleur, la coiffeuse. Il y avait Roland, ma massothérapeute. Il y avait Manon. J'ai enlevé ma robe devant tout le monde. Là. Laisse faire les foufounes, là. On a déjà vu, là. C'est pas grave, là. C'est pas le temps, là. Comment ça dit, gêné, là. Pas le temps. La robe à terre. Manon, elle me mettait mes souliers pendant que l'autre était en train de se lever. Puis pendant que l'autre, il me coiffait les cheveux, moi, je disais les paroles de la chanson. L'enfer! Vous avez eu un standing ovation après? Oui. Donc, ça a été... Oh, j'ai tout oublié. Ça, j'avais dit que je lève ses dents peut-être, puis suis à mauvais pied, mais ça, c'est pas grave. Puis avec Andrea Bocelli, après, je voulais le tenir au courant de ce qui se passait après la performance. Vous avez sûrement vu que je lui parlais, là, sur la scène. À l'oreille, À l'oreille, je chuchotais qu'on avait un standing ovation. Fait qu'il était bien content. Very good, yes, and excellent right here. I'd like to make perfect and perfect. Céline, on est chez toi en Floride, à Jupiter Island. Bon, tu t'es impliquée beaucoup dans la maison pour l'architecture, la décoration. Mm-hmm. C'est toi qui a dit « je veux cette couleur-là ». Comment tu travaillais, par exemple? Écoute, dans les voyages que je fais, j'achète toutes les revues de mode, les revues de décoration, de nourriture, etc., des bateaux. Bon. Et je découpe dans les avions toutes les pages que j'aime. J'ai une filière de rêve, puis je suis prête pour toutes les occasions. Quand on a décidé de se faire construire une maison, moi, j'étais prête, mais pas à peu près. Tu as sorti la filière. J'ai sorti la filière de rêve. Ça a donné la maison de rêve ici. Puis la piscine, tu l'as-tu vue dans un magazine, ça aussi, une piscine comme ça? La piscine, c'est un peu une idée qu'on a prise de chez Gianni Versace. OK. Elle était à Miami, elle est allée visiter la maison. Moi, j'avais magasiné chez Gianni Versace en Italie. On m'avait offert un livre. Sur sa maison? Sur sa maison, sur ses pièces préférées, tout ça. Puis j'avais vu sa piscine, puis ça m'avait beaucoup aimé. Bon, c'est pas exactement pareil, mais ça m'a inspiré beaucoup. Oh, c'est d'inspiration italienne. Exactement. Tu dis que tu vas te faire construire une maison à Terrebonne, sur mm-hmm. le club de golf du Mirage. Mm-hmm. Tu vas faire construire une maison aussi pour tes parents. Oui, on fait bâtir 4 maisons. Une maison pour nous, une maison pour mes parents, une maison pour le plus vieux de mes frères chez nous, qui va être notre homme de confiance, okay. Clément,
Et puis notre femme de ménage qu'on a depuis quand même très longtemps, en qui on fait vraiment très confiance, Mme Gendron. Alors, tu gardes beaucoup les gens qui t'entourent, parce que j'imagine que c'est une belle gâterie se faire offrir une maison. T'es comme l'animateur de Price is Right avec eux autres. Faut qu'ils trouvent le prix. On n'a même pas besoin de trouver le prix. Est-ce que c'est le plus beau cadeau que tu as fait à un de tes proches, de lui offrir une maison? Mais je pense que c'est quand même quelque chose de grandiose. Quand j'ai annoncé ça à Mme Gendron, j'ai dit, écoutez, Mme Gendron... C'est ta femme de ménage. Oui. Ça fait quand même 4-5 ans que vous travaillez avec nous. On va déménager bientôt. Puis on aimerait ça vous offrir une maison. On va vous bâtir une maison sur le projet. On aimerait ça vous offrir... Elle s'est mis à shaker, puis elle pleurait. Puis encore aujourd'hui, quand on en parle, elle n'est pas capable. Elle pleure, elle ne croit pas. Je pense qu'elle ne croit pas. Jusqu'à temps qu'elle ait mis les pieds dans la maison, elle ne croit pas. Puis nous autres, de pouvoir offrir ça, je pense que moi, je suis plus en état de choc que Mme Gendron. Moi, c'est probablement un des plus beaux, challenges, les plus beaux kicks que je peux avoir là, dans ma vie, de faire plaisir à mes parents, de leur offrir une maison, une voiture de l'année. Je pense que ce qu'on aime le plus, René et moi, c'est de partager notre bonheur. Est-ce que, Céline, ça t'arrive d'être seule, genre... T'es toute seule dans ta maison. Est-ce que t'as des moments de vraie solitude? Non. C'est pas arrivé encore. Puis je pense que c'est une des raisons. Il y en a plusieurs raisons. Mais je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je vais arrêter. J'ai envie de m'ennuyer un petit peu. J'ai envie de cette solitude, de me retrouver avec moi-même un petit peu. De refaire le plein, peut-être. C'est peut-être même de faire le vide. D'apprécier, de me rendre compte, parce que ça va tellement vite que je me rends pas compte. Ah oui, on a une belle piscine, on a une belle maison, on a des amis, la famille. Tout le monde est un peu inquiet pour moi. Tout le monde me dit, mais comment tu vas faire? Toi qui aimes tellement ça, comment tu vas faire pour arrêter? Tu vas arrêter 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça va. Mais Céline, qu'est-ce que tu vas faire après 6 mois? Tu vas t'ennuyer. Ce que je leur réponds, c'est, inquiétez-vous pas pour moi. J'ai tellement... Je peux pas m'ennuyer parce que, premièrement, j'adore la vie. Et quand on est bien dans sa peau, quand on aime se lever le matin, moi, je me lève jamais tôt parce que je performe le soir puis je me couche très tard, donc je me lève très tard. Donc, pour moi, de me lever le matin, puis que le soleil rentre dans ma chambre, puis là, j'entends les oiseaux pour la première fois, j'entends les feuilles qui se frottent l'une et l'autre, c'est la première fois que je peux vraiment... être en contact avec la nature, avec la vraie vie. Bon, quand je dis la vraie vie, il y a des gens qui m'écoutent puis qui doivent se dire, écoute, dans un château, la vraie vie... Avec le marbre c'est partout. Pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est de 9 à 5, 5 jours par semaine. Puis rentre à la lavage, puis la bouffe, puis... C'est vrai. On est très gâtés. T'es consciente que ça peut comme presque choquer des gens, ça? Oui. 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 Mais à un moment donné, moi, je peux pas faire ça aux fans, je peux pas faire ça au public, d'arriver sur scène... puis de ne pas avoir envie de chanter pour eux. Est-ce qu'en ce moment, tu as l'impression un peu de rentrer à shop quand tu t'en vas sur scène? Un petit peu. C'est sûr qu'un coup que le show part, bon, je suis une bête de scène, j'adore ça, j'oublie tout. Mais avant, comme là, pour moi, c'est difficile de partir. Je peux pas dire que ça me tente. Même si ça fait 3 semaines qu'on est en vacances, j'ai comme l'impression d'avoir un petit peu décroché, puis je me rends compte que c'est tellement ça que j'aime. Est-ce que la pression de ton métier rend ça plus difficile, par exemple, de te retrouver souvent face à toi-même? Est-ce que tu as eu des moments d'angoisse profonde? C'est une autre des raisons pour lesquelles je veux m'arrêter aussi. À un moment donné, on devient impatient, on pleure pour rien, on ne sait pas ce qu'on a. C'est très demandant. C'est un métier qui est très demandant. Puis... ça fait peur à un moment donné parce que tu essaies toujours de te battre, de donner une meilleure performance, un meilleur disque, un meilleur rendement. Puis à un moment donné, tu n'es plus capable. Puis les gens, la pression devient de plus en plus lourde. Plus tu as du succès, plus c'est difficile. Et plus tu as de pression, des fois, plus tu fais des espèces de petites dépressions, genre, comme tu dis, pleurer pour rien, tu comprends pas pourquoi tu pleures. Tu sais, ces gens restent à côté de moi, mais laisse-moi tout seul, là. Difficile à comprendre ça un petit peu, là, tu sais. Fait que quand tu commences à pas comprendre toi-même qu'est-ce que tu veux, là, c'est pas sain. J'aimerais juste ça, pouvoir être en contact avec la vie, bon, normale, entre parenthèses, si je peux me permettre de m'exprimer, là, comme ça. Mais de conduire ma voiture moi-même... Est-ce que tu la conduis parfois toi-même, ta voiture? C'est rare.
C'est rare. Je l'ai conduit peut-être deux fois depuis qu'on est ici. Mais c'est rare. C'est toi qui l'as choisi, cette voiture-là? Je me suis acheté une vieille minoune. Une vieille petite minoune. Non, c'est quand même une très belle voiture, mais ils n'en font plus des comme ça. C'est une corniche. Mais, c'est une Rolls-Royce d'époque? Oui, avec un toit qui roule, mais elle est quand même assez vieille. Mais je l'aime. Tu sais, c'est ma vieille barouette, mais elle est quand même bien sharp. Mais je sais pas, j'ai un kick à la conduire. Quand je rouvre le toit, puis je suis avec ma mère ou une de mes sœurs, là. Mais c'est quand même très, très rare. Mais de m'éloigner des chauffeurs, puis de tout ça, là, d'être... Tu n'as jamais eu de crise d'adolescence? Parce que tu travaillais... J'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps d'avoir ta crise d'adolescence? C'est justement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire autre chose dans ma vie que d'être disciplinée, de m'entraîner vocalement, puis d'être... de livrer la marchandise, puis il n'y avait pas de marge d'erreur. Puis en année sabbatique, là, tu vas-tu avoir une espèce de démon du midi de la crise d'adolescence qui va te prendre? Peut-être. Je vais m'arranger pour avoir une roche de boutons, puis de partir en fou. T'as pas eu un bal de graduation comme beaucoup d'adolescents? Non, j'ai pas été à l'école assez longtemps pour ça. OK, t'as pas fini ton secondaire? J'ai même pas fini mon secondaire 2, je pense. Ah oui? Mais t'avais-tu le droit? C'est pour ça qu'elle fait des fautes, la petite fille. T'avais-tu le droit de pas aller à l'école jusqu'en secondaire 5? J'ai suivi des cours privés. Ah, OK, tu suivais des cours privés. C'est des cours privés, mais... tu t'es pas rendu dans une école normale jusqu'en secondaire 5? Eh non. Ça? OK. C'est pour ça qu'elle est pas normale. Pas normale. Mais par rapport à la vie normale, tu vas avoir un enfant. Il y a une chambre juste à côté de la tienne. Tu dis, ça, c'est la chambre. Si on a un enfant, la chambre oui. est prête. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une pièce de consacrée à un nouveau venu dans la famille. Donc, c'est planifié. Il n'y a pas décoré, rien, là. Parce non. que ça, c'est pas chanceux. Il n'y a pas rien d'acheté, mais la chambre est là. Il y a un tapis, la chambre est là, il y a un lustre, mais il n'y a pas d'autre chose. Mais elle est faite pour ça, la chambre. Elle est faite pour ça. Est-ce que tu voudrais un gars ou une fille? Moi, j'aimerais ça avoir des jumeaux. Un oui. gars puis une fille, ah ouais, le package deal, toute l'affaire. En même temps. En même temps. Puis, as-tu des chances d'avoir des jumeaux? Parce que t'as un frère et une sœur jumelles, hein, toi? Oui, j'ai un Paul et Pauline qui sont des jumeaux. Puis, il n'y a personne chez nous qui a eu des jumeaux. Fait qu'on ne sait jamais. Donc, tu serais dû. Hey, hein? J'aimerais c'est ça. Puis, j'espère que je vais emmener une grosse. Là, j'aimerais ça. Tu sais, prendre 20 livres, oublie ça, un bon 45, là. Un bon 45 livres, puis que ça paraisse, là, t'as de la misère à te lever, là. Ça, j'aimerais ça. Puis, est-ce que tu as pensé, genre, si tu n'avais pas d'enfant, est-ce que tu vas en adopter un? Peut-être. Oui. J'ai pas vraiment pensé, mais à chaque fois qu'on me pose la question, j'y pense au moment où on me la pose, puis je ferme pas aucune porte. Fait que ça se peut aussi. T'as-tu pensé à... Tu dis souvent, il faut que je profite de René parce qu'il rajeunit pas, puis on a une différence mm-hmm. d'âge entre mm-hmm. nous. T'as-tu pensé à ce que tu allais faire si un jour il était plus là, puis tu te retrouvais c'est sans sûr qu'on y pense, évidemment, lui aussi, moi aussi. En parlez-vous ensemble? C'est rare, mais quand on en parle, c'est des choses comme genre, si jamais il nous arrivait de perdre la tête, là, par exemple, on tombe malade puis on devient légume, là, grossièrement parlant, là. Lui, il pense pas de vouloir rester ici. Okay. Il voudrait partir. Il voudrait pas que je l'aide à s'en sortir. Il voudrait pas que je le pousse en chaise roulante, là, puis que je prenne soin de lui, là. Puis moi, je penserais la même chose. Déplogue-moi, puis je veux pas de trouble, puis je veux que t'aies une autre blonde, puis fais ta vie, puis laisse-moi. Tu voudrais-tu vraiment qu'il refasse sa vie? Ce que je voudrais, c'est que ça nous arrive pas. Parce que, est-ce que t'es jalouse, toi? Oui. Oui. Je pense que René est jaloux aussi. C'est sûr que je suis jaloux. Je pense que ça fait partie d'être amoureux. Mais je ne suis pas possessive à tel point que si je ne suis plus là, c'est sûr que je voudrais son bonheur aussi quand même. Puis quand tu as des femmes qui draguent René, ça te fatigue, toi? Le pire, là, c'est quand tu as des femmes qui viennent. Bonjour René. Puis là, c'est. Bonjour Céline. Bonjour René. Tu te rappelles-tu de moi? Ben oui, là, tu sais, au café, je ne sais pas trop quoi, là. Ah oui, bonjour. Puis là, après ça, je dis, ouais. C'était qui? Bonjour René, tu te rappelles-tu de moi avec un petit retière? Elle avait pas retiré. Petit épitière qui roule, là, c'est quoi ça? Je sais pas, je m'en rappelle. Non, tu te jure, je m'en. Hey, arrête, tu te rappelles jamais. Faut pas me faire croire que tu te rappelles plus de aucune. Hey, tu t'en rappelles. C'est... Là, des fois, il dit non, non. Ça, c'est dans le temps, là, puis tout, dans le temps. Justement, parlons-en. Mais c'est, il n'y a pas une grande mémoire, René. Non, ou il y a de mémoire sélective. Probablement. C'est probablement ça. Puis toi, il y a des gars qui te font des avances, c'est sûr, c'est normal. Comment ils réagissent dans ce temps-là? Je pense que c'est jamais arrivé. Mais voyons. Ben je te dis. Je te dis, je pense que c'est jamais arrivé. Il n'y a pas de gars qui te font des avances? Non. Non. Je me rappelle pas que c'est... Non, je pense pas. C'est soit que je les vois pas venir, que je suis bien stupide, là,
ou que je suis tellement pas... C'est sûr que je suis pas intéressée, mais pas du tout, que je le vois pas, ça. Peut-être que les autres le voient, moi, je le vois pas. Parce que t'es une belle femme, t'as du succès. Oh, bon, bon. Ben oui. Trop fine. Ben là, mais je suis un beau bonnet. Merci. Un beau pétard. T'es un beau pétard. T'es bien trop fine. Non, t'es beau... non, mais c'est normal, toutes les femmes se font courtiser à un moment donné. Puis peut-être que toi, tu le vois pas, mais René, des fois, il est-tu... Je pense que j'ai même pas eu le temps de voir ça. Hey. Fait que c'est-tu fort? C'est grave. J'ai-tu le temps que j'arrête, tu penses? Justement, c'est le temps que j'arrête pour que je vois si je me fais flirter ou quoi, là. Faudrait que je... C'est pour ça que je vais arrêter. Peut-être que René ne voudra plus que t'arrêtes, par exemple. Exactement. Le 1er janvier de l'an 2000, la première chose que tu vas faire, là, ça va être ta première journée. T'sais, c'est quoi la première chose? Là? Tu t'inscris-tu à l'assurance chômage? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je pense que le dernier show que je vais donner, là, c'est le lendemain. Là, je sais pas ce qui va arriver. Je pense que je vais me dépêcher à défaire tous mes bagages, puis faire du ménage de garde-robe, donner mon vieux stock que je mets plus. Bien, vieux stock. C'est, il est pas tellement vieux, mais des choses que je mets plus. Faire du ménage, là, tout virer en envers, là, pour commencer, là, puis pas dire, oh, mais je vais faire ça la semaine prochaine, je vais faire ça dans... oh, le mois prochain, puis pour que justement qu'il te reste peu de temps, puis que tu n'as rien fait. Là, je pense que je vais tout faire, là, pour qu'après ça, j'ai rien à faire, puis je me dise, là, je peux prendre tout le temps que je veux encore. Je te remercie beaucoup, Céline. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Céline, je voudrais qu'on invite les gens à rester avec nous parce qu'on a passé une année avec toi. Mm-hmm. Hein? On s'est vu beaucoup. T'es titanique? Non. T'es pas titanique? T'es pas titanique? On coulera pas de suite. T'es titanique. On n'est pas trop titanique. Mais dans quelques minutes, vous allez pouvoir voir les Français. Les Français, comment ils voient Céline? Parce que les Français t'ont consacré un portrait. Ça s'appelle Fréquence Star. C'est animé par Laurent Boyer. T'as accordé beaucoup d'entrevues. Oui. Et c'est une émission intéressante parce que c'est le point de vue que les Français ont sur toi, comment ils te voient, comment ils te perçoivent. Et aussi, ils retracent toute ta carrière. Hein? Ils repartent du début. Puis on voit des archives de toi. On voit des choses qu'on ne veut pas voir, peut-être. À toutes les époques de ta vie, Céline. On va t'en voir tout le temps. Mon amour. On voit des archives, mais les Français, il y a un document qu'ils n'ont pas, que moi j'ai ici. Ça fait 12 ans de ça. C'est une interview que tu as faite avec une jeune fille qui commençait. Attends, je vais vous montrer. Les Français ont quoi ça? C'est... On va voir ça, là. À Vogue, on rencontre Céline Dion chez le couturier qui l'habille, Michel Robida. Quand j'ai lancé mon disque incognito, là, j'ai lancé mon disque à la discothèque L'Esprit, puis c'est Michel qui m'a fait ce costume-là. Tout le monde est tombé à terre. Ils m'ont dit, mon Dieu, la colombe, parce que c'était la colombe. Mais t'as changé. Toi aussi, qu'est-ce que tu penses? T'es-tu regardé? Tout le monde s'attendait à me voir avec une petite robe au cou, les manches longues. Mais justement, ton changement de look, là, tout le monde en parle. Oh mon Dieu, pas de danger que le train aurait passé là. Je pense que les gens s'attendaient à un changement quand même. Mais toi, tu t'attendais-tu à ce que les gens en parlent tant que ça? Tu t'attendais-tu à un impact comme ça? Ou tu voulais-tu cet impact-là? Je suis toute mêlée dans la question. Je sais pas quoi. Je le voulais puisque... Je me suis retirée pendant un an et demi de temps pour justement me faire couper les cheveux, revenir avec un nouveau look. Revenir avec un nouveau look. Oui, oui. Je voulais que les gens aussi arrêtent de me voir comme la petite colombe, là, comme la petite fille sage. C'est sûr que ça me faisait très plaisir quand les gens me disaient « Ah, oh, Céline, on t'aime, puis tu me fais pleurer, puis ça. » C'est sûr que ça me faisait super plaisir. Mais j'ai 19 ans aujourd'hui, puis j'ai comme l'impression d'être plus jeune. Ouais, ah, oui? J'ai comme l'impression que les jeunes sont plus avec moi, puis Céline Dion est comme rendue moins quétaine, tu sais. La fille à 14 ans a l'impression d'être plus jeune. Si vous êtes fatiguée de votre ancien look, ben faites comme Céline. Traversez le miroir. On traverse le miroir! C'est effrayant.
Ouais, 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 qu'est-ce qu'elle fait là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Connard! Attends, 10 ans. Avec notre lifting. Bye, tout le monde. Profitez bien de la vie, c'est bien important. Bye-bye. On vous aime. Bye-bye. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres et voilà. On ne change pas. On ne cache qu'un instant de soi.